pas les rouages. Or, il faut connaître les rouages. Il voulait aller voilà, clasher un peu nos autorités. Ça lui a conduit où il est actuellement. Moi, je pense que les gens doivent comprendre. Il a eu à injurer une dame. Elle a retiré la plainte. Peut-être on pense que voilà, il veut essayer de se dire qu'il a, il a un avocat qui est en Europe tout, mais moi je pense que cette affaire-là, elle peut aller trop loin. Voilà, elle a allé trop loin. C'est pas une affaire d'État où on peut charger ce genre de truc. On pourrait dire peut-être en Europe, là, on peut dire, voilà. Il y a un terme qu'on utilise là. Un truc pour qu'il aide la société, un truc, voilà. Genre 6 mois. Je ne sais pas si on peut m'aider là. 6 mois, mais pas aller jusqu'en prison. Voilà, lui dit ça, tu peux faire 6 mois de genre une ONG, tant, comme ça on pourrait lui dire. Mais quand on va jusqu'à la prison, c'est un peu lourd. Attends, tu es sérieux là? Tu es sérieux? Tu es là en fait, tu es ça le live, hein. Bah, elle ne comprend pas ce que tu dis même. Tu es sérieux? Tu es sérieux dans ce que tu dis? Allô? Moi je vais sur la position où la dame a retiré la plainte. Ok, non? C'est qui l'a fait là? C'est un acte ignoble. Bon, injurer quelqu'un. Tu peux retirer une plainte et puis le procureur peut maintenir la plainte. Le délit est consommé. Sinon, elle a retiré la plainte. Mais le délit est consommé. Oui. Le délit est consommé. Attendez, vous ne me comprenez pas. Si elle retire la plainte là, ça ne change rien. Je dis, le procureur peut maintenir la plainte. Même si tu l'as retiré. Il ne peut pas. André, vous ne me comprenez pas. Oh. La sentence est tombée. La sentence est tombée. Il n'y a pas de voilà. Pas. Moi, je vais. Donc, avant qu'il. Il a commis l'acte. Mais maintenant, là, la sentence, là, elle pourrait dire non. Bon, tu dois faire. On dit quoi? Viens sur 6 mois, faire un truc de service citoyen. Non, un truc comme ça, mais pas juste aller en prison. C'est un truc comme ça, je le dis. Mon frère, tu sais que là, observateur là, en prison même là, observateur même il n'est rien. C'est nous on fait parler d'observateur, en prison même il n'est rien. Il y a des gens même qui sont là, tu même dans le pays là. Mon frère, moi je ne fais pas une palabre actuellement, moi je parle de la sentence. Non mais c'est que tu dis là, vous marquez les esprits, c'est pas forcément aller en prison. Mais lui dit, moi je dis... Tu peux faire un truc de service. Oui, le grand frère. Est-ce que je n'ai pas la parole? Ok, est-ce que Gédé a fini? Je n'ai pas fini. On va laisser Gédé. Maman Tina, Gédé, tu viens. J'ai terminé en 1 minute. En 1 minute, Koulibaly. Permettez, moi je suis venu là, je vous ai écouté, mais permettez que... Peut-être c'est les mots qui ne sont pas justes dans ce que je dis là. Mais sinon, moi, je dis clairement, c'est vrai, on dit qu'il est en prison, tout. Mais avant, moi, je parle de la sentence même en elle-même. Si on me suit, on doit me suivre là-dessus. Il a injuré une dame, c'est des choses à bannir. C'est un blogueur, on veut un exemple, on ne veut pas la médiocrité. Il est dans un scénario, mais le scénario ne doit pas aller au-delà. La sentence est tombée, mais la sentence a été un peu plus dure, moi, à mon sens, à mon humble avis. On pourrait lui dire, bon, tu peux, genre, gérer une ONG pendant 6 mois, tu dois faire tel service pour montrer un peu. Voilà, mais même pas dire à quelqu'un, va en prison, parce que moi, il a insulté quelqu'un sur les réseaux. Voilà, c'est un peu ça. Moi, c'est la sentence qui est un peu truc. Maman Tina, à mon avis. Maman Tina, oui. Il a dit qu'il a sa photo étant en prison, non? Il faut le faire monter. Didi. Merci bien, maman Tina. Merci, le frère Gédé, merci. Il a dit une de ses photos qui était en prison, non? Mais je ne le vois pas. Allô? Allô, oui, maman Tina. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Ouais, le grand frère, tu as pris la parole. Il a cherché Didi, je ne vois pas Didi. Bon, merci bien. La justice a tranché, c'est fini. La justice a tranché. Oui, attends, mon frère. Attends, après le grand frère, c'est à toi. Maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est, comme d'aucuns le disent, la loi d'amnistie, c'est tout ce qu'on peut espérer du chef de l'État. C'est tout.
C'est tout. Allô? Non, c'est-à-dire que lui, attends, il peut gérer une ONG. Il y a un délit qui est constitué. Et la sentence est à l'appréciation du juge, du magistrat. C'est ce qu'il a fait. Personne d'autre n'ira encore pour dire non, pardon, il faut le libérer. Non, c'est fini. C'est la vérité, c'est fini. Maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est peut-être, comme on dit, en août, il y aura une loi d'amnistie du chef de l'État. On espère qu'il sera dedans. Et puis, il va sortir même avant octobre. Sinon, la justice a tranché, c'est fini. Moi, tout ce que je demande à ses proches, à ceux qui le soutiennent, à ceux qui l'aiment bien, je n'ai pas dit que je le déteste, non. À ceux qui l'aiment bien, de le soutenir moralement. S'ils peuvent l'appeler, ils l'appellent. Ils échangent avec lui, ils discutent avec lui, ils lui remontent le moral. Et ils lui demandent de manger. Ils lui demandent de manger. Surtout qu'il a les moyens. S'il n'aime pas la nourriture de la maca, c'est son droit. Mais il faut qu'il mange. C'est pas la grève de la faim qui va arranger les choses. Non. Ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est pas la grève de la faim qui va arranger les choses. Maman dit, voilà, avocat du conservateur même qui est là. Laissez il est où? Avocat là est où? Voilà lui qui est là, le blanc là. Il est où? Tu le vois où? Il est voilà lui en haut ici, en haut de moi là. Ah bon? L'avocat là même va s'expliquer, écoutez. L'avocat d'observateur, vous êtes là? Toi, tu es sûr que c'est son avocat qui est là, Koulibaly? L'antago là. Faut dire Nara s'expliquer. C'est l'antago. Lui, oui, bonjour. 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 Moi, j'aimerais... Je vis au Canada. Et je sais qu'il y a plusieurs lois qui ont été faites. Mais le problème... observateur a fait, c'est de ne pas vouloir régler la situation directement. À la place de régler la situation directement, observateur a voulu aller narguer la dame pour mettre dessus. C'est ça qui a été compliqué même dedans. Je sais pas si vous comprenez un peu. Est-ce que vous êtes l'avocat? Non, on demande si tu es l'avocat du observateur. C'est pas l'avocat. Non, attends. Tina a posé une question parce qu'on a dit l'avocat de l'observateur est là. Oui, il va s'exprimer. L'avocat d'observateur est là. C'est maintenant, nous, on demande, mon frère, avec tout le respect que je te dois, est-ce que partie du collectif d'avocats ou bien tu es l'avocat d'observateur ou bien tu es un juriste? Moi, je fais partie du collectif. Tu fais partie du collectif? Ah, voilà. Oui, moi je crois à ça. Non, attends, mon frère. Donc, tu étais à Abidjan? Non. J'étais à Abidjan, sur les lieux, j'étais là, on a parlé. Voilà. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire publiquement. Non, je sais ça, c'est qui professionnel? Ok, okay. Bon, voilà. on va l'écouter. Voilà, maintenant on écoute. On vous écoute, monsieur. Ok, c'est comme tu disais, il y avait des lois. Qu'est-ce qui était compliqué de plus lorsque on était allé devant les jurys? Le problème, c'est que ils nous ont dit que le problème, c'est que observateur, monsieur n'a pas voulu essayer d'arranger le problème. Ce qui a été compliqué dans cette situation, c'est qu'il a été allé narguer la dame parce que, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais la dame a dit qu'elle avait reçu des messages de plus qui disaient qu'ils sont fous. Et le problème, c'est que devant les jurys, quand on monte ça, ça devient de plus en plus compliqué de défendre. C'est un peu ça que je peux dire de plus. Mais pour vous expliquer, mais on sait qu'en ce moment, on est en train de travailler encore pour voir s'il peut avoir... Parce que je sais qu'en France, au Canada, dans plusieurs pays, on peut redemander une deuxième vérification des preuves. Parce que souvent, ça peut être des mensonges. Observateur nie les faits. Il dit qu'il n'a pas envoyé ces messages-là. Mais ça a vraiment joué dans... pour trancher si l'observateur devait aller en prison. Mais c'est moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi quand il est parti répondre à la convocation, en même temps, il a été arrêté? Pourquoi la convocation? Parce que c'était une convocation apparemment, quand il a fait dans sa vidéo.
Alors, aller répondre à une provocation peut l'amener à la maca. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?